Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le unboxing du samedi spécial broderie avec la boutique Paint by Number Day. Voilà, ça fait 3-4 vidéos que je fais avec eux, je pense maintenant. Donc je ne vous montre jamais beaucoup d'articles de chez eux parce que bah, le budget est petit, mais bon, c'est pas grave hein. La preuve, j'avais dépassé le budget. Non, vous ne pouvez pas. Il faut enlever un article. Bon, d'accord. Bon, j'avais pas fait gaffe avec le prix. Mais bon, c'est rien, j'ai enlevé l'article. Aujourd'hui, un Joy Sunday. Voilà. Oh, ça brille. Un Joy Sunday. Enfin, pseudo Joy Sunday. Pour une broderie, alors je ne sais plus si c'est de l'estamper. Bon, on va le voir en l'ouvrant. Je crois que c'est de l'estamper. Et je vais me mettre face bureau pour vous la montrer. Donc voilà notre broderie, enfin notre modèle. Donc les petits, alors c'est les oiseaux d'automne. Alors il y a le 1, donc je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais voilà, pour l'instant c'est le seul que j'ai vu. Là, c'est les oiseaux de l'automne. 14 CT, 50 sur 62, donc c'est un grand. On va trouver... Oui, c'est ça, c'est d'estampé. Oh là là, c'est d'estampé, malin. C'est du confetti. On a le patron. Alors, le patron... Bon, les patrons du pseudo Joy Sunday sont toujours bien clairs. Alors, il y a 9 pages. Voilà, on le voit ici. On retrouve l'image. Et on a 35 couleurs. Il n'y en a pas d'autres hein, derrière, non. Donc, on a 35 couleurs. Et donc, normalement, là, ce ne sera que du point de croix. Alors, les symboles que vous avez ici, ce sont les symboles pour le patron papier. Ce n'est pas pour la toile. Voilà. Il n'y a pas de 939, il n'y a pas de blanc. Et il n'y a pas de noir. Tiens, étonnamment, j'aurais pensé qu'il y aurait eu du noir. Bon, donc ça, c'est le patron papier. Vous voyez, avec ça, donc en 9 pages. Je vous montre quand même l'impression. Si vous voulez, par exemple, faire en point compté, ben vous pouvez très bien. Là, c'est le milieu. Voilà. Le trait rouge. Il est où mon trait rouge? Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez, le trait rouge marque le milieu du dessin. Et il y a encore une partie ici. Alors, on a beaucoup de couleurs, beaucoup de fils. Donc, vous allez retrouver vos deux aiguilles comme d'habitude. Alors, attendez, je vais mettre le flash. Voilà. Vos deux aiguilles ici. Je vais vous montrer. Alors, on a deux plaquettes. Voilà. Il y en a encore là. Donc, ça, c'est le 15. Ils ont remis un petit peu là à la fin. Je vais l'enlever, ce sera plus facile pour moi vous montrer. Alors, les couleurs sont jolies. Hein. Les fils sont toujours superbes, hein, de bonne qualité. Voilà, vous voyez, il va y avoir beaucoup de marron. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille. J'ai mon ventre qui gargouille. Voilà. Voyez, elles sont jolies ces couleurs. Et voilà le 15. Voilà.
Hop. Alors, le 15, on va regarder où est-ce que c'est. Je pense que c'est pour le fond. Oui, ça doit être. Vous voyez, c'est pour ça le 15. Voilà, ici, ici, ici. Peut-être un peu dans l'arbre. Alors, hop, je vous remonte un petit peu. Parce que la toile est grande. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il y a du confetti, hein, là. Waouh, c'est carnaval, hein. Ouh là 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 là. Ah oui, c'est carnaval. Ouais, confetti, confetti, confetti. Vous voyez, même déjà comme ça, hein, vous le voyez, hein, sans que je vous montre en détail. Mais alors là, c'est costaud, hein. Ouais. Et même là, j'aurais pensé que c'était... Vous voyez, ici, j'aurais cru qu'il n'y avait que du bloc, mais non, il y a un peu de confetti dedans. Voilà. Alors, je vous montre d'abord les... Hop. Voilà. Les symboles. Tiens, c'est papa qui crie. Ils font que des bêtises depuis ce matin. Voilà. Bon, les symboles en eux-mêmes, c'est que toujours les mêmes, hein, bien sûr. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer plus en détail. Ne vous évanouissez pas en regardant. Alors, est-ce que déjà c'est bien imprimé? Ouais. Il va falloir des bons yeux, hein, pour broder ça quand même, parce que là, c'est vachement confetti. Il est là. Et c'est comme ça partout, hein. C'est comme ça partout, partout, partout. Voilà, il y a tout petit peu de bloc parce que c'est les oiseaux. Ouais. Il y a du taf. Là, c'est vraiment... ça, pour le broder, il faut, c'est un jeu de patience, là. Vous voyez? Déjà, rien qu'à le regarder comme ça, hein, on le voit. Hein. Waouh! Je crois que j'ai jamais eu de toile autant confetti. Ah! Mon Dieu! bah, comme je vous dis, comme c'est la toile numéro 1, bon, si, il faudra que je regarde s'il y en a d'autres. Donc, bah, l'été, le printemps et l'hiver. Si je les vois, on verra si c'est autant confetti ou pas. Voilà. Mais là, bon, c'est la broderie que vous commencez le 1er janvier. Il vous faut jusqu'au 31 décembre pour la faire. Non, mais bon, je rigole, mais il y en a qui aiment le confetti, hein. Voilà. Je vous remontre l'image. Voilà. Avec ses fils. Et cette petite broderie toute mignonne est quand même, elle est au prix de 17,29 €. Voilà, donc c'est une 50-62 par 14 CT. 17,29 €.
Je croyais que j'avais une autre. Non, non, c'est bien le prix, c'est le bon prix. Bon. Voilà. Mais sinon, c'est un dessin qui est magnifique. Hein. Il y a quelqu'un sur YouTube qui est en train de le faire, mais en version point compté. Le résultat est vraiment magnifique. Donc, voilà. Quand j'ai vu sa vidéo, elle était à ce niveau-là, au niveau de l'oiseau. Tout ça s'était fait déjà. Et là, elle était ici. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des changements de couleur. Bon, là, c'est le genre de broderie où il faut que vous prévoyez de mettre, de préparer vos aiguilles à l'avance. Voilà. Pour éviter de enfiler, vous allez perdre un temps fou. Vous avez 35 couleurs, et ben vous prévoyez 35 aiguilles que vous mettez, vous savez, sur les trifiles là, avec que vous pouvez mettre les références au milieu. Vous prévoyez vos 35 aiguilles et vous les enfilez toutes les 35. Et puis comme ça, au moins, vous êtes tranquille. C'est peut-être beaucoup, mais je pense que c'est la seule manière de travailler sur un genre de sur une toile comme ça pour éviter de se prendre la tête. Voilà. Il faut enfiler toutes ces aiguilles, les préparer à l'avance. Et voilà. Bon, sinon, le résultat, je vous dis, je l'ai vu en vidéo. Je ne sais plus la vidéo. Je crois que c'est une vidéo anglaise ou américaine. Le résultat est magnifique en point compté. Bon, ben voilà. Pour aujourd'hui, c'est le seul article que j'avais à vous présenter avec la boutique Paint by Number D. Voilà, je cherchais le nom. Je les remercie beaucoup pour cette petite collaboration. Toujours très heureuse de présenter des articles. Hein. Il n'y a pas de souci. Là, je n'ai pas. Ah si, si, je crois que j'ai un code promo. Là, j'ai un code promo de mémoire, donc je vais vous le mettre. Je crois que vous avez droit à 6% sur votre commande. De toute façon, je vous le remets là à l'écran et je vous le remets en barre d'infos. Vous retrouvez également en barre d'infos le lien pour retrouver ce kit et le lien de la boutique. Voilà, ils ne font que du point de croix, donc n'hésitez pas à aller voir. Enfin, ils ne font que de la broderie, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et voir ce qui peut vous plaire. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.